vous dites, une équipe qui est portée sur l'attaque, sur le jeu rapide. Et là, force est de constater que depuis le début de la saison, ils ont du mal à trouver des points. Bon, ils se sauvent un peu à travers des performances exceptionnelles. Je pense notamment à Valérien Ayahi qui est en Euroleague contre Galatasaray à une trentaine de points. Mais c'est vrai que cette année, ils ont plus de difficultés à trouver des points. Bon, c'est normal, hein, c'est une nouvelle équipe. Il faut que la mayonnaise, elle prenne. Mais c'est une équipe qui se cherche quand même en championnat pour l'instant. Et moi, je me méfie du cœur d'un champion. Mais aujourd'hui, le champion, c'est Montpellier. Donc, je vais me méfier du cœur du champion, quand même. Voilà. On a un gros chantier aujourd'hui au TMB, c'est développer encore plus d'agressivité dans notre jeu. Donc la semaine, là, elle est portée sur l'agressivité, notamment dans les 1 contre 1. Donc les filles jouent le jeu, donc c'est plutôt intéressant de voir ce niveau d'engagement, d'intensité, cette volonté comme ça de générer de l'agressivité en permanence. Moi, je veux surtout qu'on s'appuie sur notre première mi-temps contre Bourges, que je trouvais très bonne. Hein, parce qu'au-delà des 5 premières minutes et du 12-0, on a fait une très très bonne première mi-temps. Bon, même si on est à 10 points à la mi-temps, bon, ça ne reflète pas du tout cette première mi-temps où on aurait dû être devant. Donc, quand on est capable comme ça de dominer son sujet pendant une mi-temps, moi, je veux surtout qu'on s'appuie sur cette prestation pour faire en sorte, voilà, de bouger un peu l'établissement. Je pense que ce qui va être déterminant, c'est de pouvoir contrôler le tempo comme on a su le faire contre Bourges en premier temps, mais le faire pendant 40 minutes. Et quand on le fait, on pose vraiment beaucoup de problèmes. Hein. Bah, l'objectif que moi je me fixe, c'est qu'on arrive quand même à limiter ces équipes-là à moins de 65 points. Si on arrive à limiter à moins de 65 points, on se donne plus de chances quand même de gagner.